Now this might be a mistake that I'm calling you the slate. But these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last. Even though this isn't fair for both of us. Maybe I'm just a fool. I still belong with you. Personnel, et tous ces soucis là m'ont amené à me connecter sur à m'inscrire sur un site de rencontre, le site Mythique. Et sur ce site, moi ça m'amusait hein, de voir comment ça se draguait. Et puis un jour, je t'ai vu, tu t'es connecté. J'ai dit, oh, il a l'air sympa. En fait, ce qui m'avait surtout le plus attiré, c'est que tu avais un nom congolais, à consonance congolaise. Et donc, du coup, je t'ai écrit, je t'ai demandé, est-ce que tu veux être mon ami? Tu m'as pas répondu, j'ai insisté. Et puis tu m'as dit oui, pourquoi pas. Et on a discuté tous les soirs pendant pratiquement 6 mois. Tous les soirs, on se connectait, on parlait. Et un jour, tu m'as dit que tu allais à Bruxelles. Moi, je me souviens de toute l'histoire. Tu m'as dit que tu allais passer un week-end à Bruxelles. Je t'ai dit, je t'accompagne si tu veux. Et tu m'as dit, non, ça fait 6 mois qu'on parle sur les réseaux. Je ne pars pas avec quelqu'un que je n'ai jamais vu. Et du coup, je t'ai envoyé ma photo et puis... Peut-être que tu m'as trouvé sortable. Et du coup, tu as décidé qu'on se rencontre. Et ce que j'ai apprécié le jour où on s'est vu, je t'ai dit que je n'avais pas l'habitude des réseaux sociaux, qu'il se passait tellement de choses. Tu m'as dit, non, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, va dans un endroit public. Au moins là, tu es sûr qu'il ne pourra rien te faire, il y a du monde. On s'est vu ce soir-là. Et d'ailleurs, depuis ce soir-là, on ne s'est plus quitté. Tu m'as prise dans ta voiture, on s'est promené dans Paris. Alors, je n'ai jamais été inquiétée.
Je n'ai jamais eu peur, à aucun moment j'ai pensé que tu pouvais me faire du mal. Ça va faire 18 ans qu'on est ensemble et je me suis toujours appuyée sur toi depuis. Si tu me supportes dans tout ce que je fais, dans mes enfants, tu as connu mes enfants, ils avaient quoi? Ils étaient en maternelle. Aujourd'hui, ils ont tous fini dans ses yeux et tu as toujours été là pour nous. Je t'ai fait faire des choses, mais alors les plus folles. On partait en vacances avec les enfants à des kilomètres, mais je me souciais même pas de savoir quand on allait rentrer parce que je savais que je pouvais t'appeler à n'importe quelle heure et que tu allais venir. Donc ça, ce sont des choses que je pourrais jamais oublier. Et c'est des choses que chaque fois que je te vois, ça me revient toujours. Et puis, c'est pas ce que je veux dire. Je sais qu'on s'amuse souvent, je dis alors quand est-ce que tu m'épouses, quand est-ce que tu m'épouses. Et 18 ans après, bon, j'avoue, je ne suis pas facile. J'avoue, je ne suis pas facile. Mais 18 ans après, moi je savais que j'avais trouvé l'homme de ma vie. Pour moi, c'était une évidence. Je suis chrétienne. Souvent, dans mes prières, souvent je demande à Dieu des signes, je fais des choses et puis bon, des fois j'ai l'impression qu'il me répond. Et puis pour moi tu étais mon mari. Et j'ai toujours gardé en mémoire, tu m'avais dit un jour que toi aussi dans tes prières tu avais demandé à Dieu de te donner une femme et que c'était moi la femme. Du coup je jouais un peu les capricieuses de foi. J'ai dit de toutes les façons je suis la femme que tu as demandé, alors quoi qu'il arrive tu ne pourras pas me quitter, c'est pas toi qui m'as choisi. Tu me dis que c'est Dieu qui m'a envoyé sur ta route. Donc depuis, ben, on a connu notre histoire, hein, des hauts, des bas. On s'est séparés, je sais pas, une ou deux fois. Mais bon, on s'est toujours remis. Et puis, ben, on a vu nos enfants grandir. Aujourd'hui, ils sont grands. Aujourd'hui, on est grands-parents. Et ben, c'est que du bonheur. Et j'espère, je t'ai toujours dit, ça c'est un passage de la Bible que j'aime beaucoup. J'ai toujours dit que j'ai trouvé en toi, je ne me rappelle plus le passage de Ruth. J'ai dit, ta famille, c'est ma famille, où tu iras, j'irai, où on t'enterrera, c'est là aussi qu'on t'enterrera, mais là on verra quand même. Pour le reste, c'est bon, je vais aller avec toi, où la vie va nous mener, je suis prête à faire tout ce chemin avec toi. On a toujours dit qu'on espérait se voir vieillir ensemble jusqu'à ce qu'on n'ait plus dedans et puis qu'on se supporterait. Et bien voilà, j'espère. On s'est mariés. Et je te remercie de m'avoir honorée. Tu l'as fait. Merci. Je t'aime. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Et qu'il te donne à ce que tu mérites de recevoir. Comment notre histoire a commencé. Alors on s'est rencontrés sur le réseau virtuellement. Elle passait, moi j'ai passé. Et on s'est vu. Alors tout de suite, on a voulu faire connaissance. Jusqu'à aujourd'hui, il y a très longtemps. Ça fait un moment. Bon, je t'ai toujours dit qu'avec toi, on ira loin. Et la preuve qu'aujourd'hui, on est là, tout se réalise comme je le voulais. Bon, j'ai pas grand chose à raconter. Moi je suis l'homme des faits. Pas de paroles, pas de théorie. Moi j'agis. Alors c'est ça. Mon message, je t'aime. À toute la famille, à tous les amis. Ici. Bon, celui qui reste. Tu dis,
comme on dit, tu peux être touché le bas. Toi, couche à là, toi, couche là. C'est bon. C'est bon. Avance, t'es là, c'est dans ma vie, moi qui étais du genre solitaire, et du jour au lendemain, t'as changé un homme qui a trop souffert. Moi qui avais perdu l'espoir, t'es devenue la flamme qui éclaire mes soirs. Oh, mon bébé, aujourd'hui sans toi je ne peux plus voir. Grâce à toi j'ai découvert l'amour, celui qui a guéri mes plaies, a fait passer mon cœur de l'hiver à l'été. Oh, oh, oh. T'avoir auprès de moi pour toujours, ça c'est mon rêve le plus cher, et pour ça je suis prêt à en payer le prix. So easy
Révolution française. Les révolutionnaires de l'époque ont décidé que les actes d'état civil ne relevaient plus du religieux, mais de l'État. Et ils ont conféré au mariage une importance à la hauteur de l'engagement. In the eyes of a saint, I'm a stranger. We were trying to find our way. At the depth of every darkness, there's a morning. Though we all try. C'était un petit peu compliqué. En plus, on a la fête de la ville demain, donc c'est vrai qu'au niveau parking, c'est compliqué aussi. Bon, alors on va faire au mieux, mais ne stressez pas, tout va bien. Madame aussi, il n'y a pas de souci. Donc, monsieur, merci. Donc, moi, je me sens confiance là pour le coup. Hein. Après, vous direz un petit mot quand même, après le mariage. Allez, on vous laissera la parole. Donc. Nous allons procéder, alors excusez-moi, je n'ai pas de micro, du coup, bah voilà, vous allez m'entendre parce que vous êtes tout bien calme, donc il n'y a pas de problème. Veuillez nous lever, nous allons procéder donc à la célébration du mariage entre Madame Esther Clara Franck Gazakis. Alors excusez-moi pour les... J'ai dit bien avant, mais vous savez, hein. Et Monsieur Bobby Buabuakumba. Alors, c'est super. Donc je vois qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. Alors, article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Donc là, ça concerne tout ce qui est légalement obligatoire d'annoncer. Bon, c'est important. Je commence, d'accord. Alors, en route, tu me diras, tu tendras le micro. Madame Esther Clara France Gazakis, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Bobby Buabuakumba ici présent? Alors. Oui. C'est une question. Donc, on ne vous a pas entendu. Hein. Sachez que normalement. Alors voilà, on vous donne le micro. Allez-y, madame. Alors là, le oui doit être. Oui, je le veux. Parfait. Alors, monsieur Bobby Buabuakumba, consentez-vous à prendre pour épouse madame Esther Clara France Gazakis, ici présente? Oui, je le veux. Alors, du coup, moins stressé, hein, vous voyez, hein, c'est pas, voilà, hein, ça va mieux là, d'accord. Donc, c'est pas fini. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage avec toutes mes félicitations. Voilà. Allez-y, monsieur, si vous voulez, c'est ça que je dois vous tendre, faire un petit, dire quelques mots, et voilà. Bonjour, chers frères et sœurs, pardon, on m'appelle Dédé, je
me permettre de vous dire merci pour vous être déplacé pour cette cérémonie. Et en qualité d'élu, je vous souhaite le meilleur pour tous. Et je vous souhaite bonne route. Et à très bientôt. Merci. Moi aussi, toutes mes félicitations, tous mes vœux de bonheur, ma collègue, ça aussi. Et puis on passe à l'échange, il y a l'échange des alliances. D'accord. Alice et de Victorine Georgette Angobo, retraitée d'une part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Gérard Katumbayi Buess. Lucie. Vous l'excusez parce que c'est pas assez. Employé, domicilié à Agen. Olga Rosine Stella Gassakis, agent d'ambassade, domicilié à Berlin, témoin majeur. Lecture faite et invité à Verlac, les époux et témoins ont signé avec nous Marie-Florence de Prince, adjointe au maire. Essayez que vous voyez, quoi, voilà. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est oui. Allez-y. Par cette alliance, je déclare mon amour et toute ma fidélité. Réfléchissez, soutenu, supporté. Wow. Aujourd'hui, devant toute ma famille, j'accepte de devenir ta femme. Wow. Gave everything this gold.
Est-ce que c'était ça That it hurts like so To let somebody go That is everyone say On the part de la ganance On the palais de bobo On the palais de sangria On the main dans les gigas C'est vrai si baisse nous mais bois chaka Y'a pas encore fait bing Mais chaque jour vous me voyez choc On dit nous on est fion Elles appellent chaki Nous on veut pas les liquides On veut les chèques On fait du lâche, ou et moi, on veut quoi? Oh, baisse, vous te mettez dans les gigas, baisse, Vicky Bim, Metali, baisse, vous êtes quoi, vous même, ça la baisse, oh, souvent la même, oh, baisse, on prend les soupes. Thank you.
installé dans les bureaux. Merci. Merci. Père éternel, Père de bonté, Père de gloire, nous te bénissons ce jour. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas là par hasard, tu nous avais déjà choisis, Seigneur. Et nous qui sommes là, Seigneur, nous nous joignons, Seigneur, à toi, afin que, Père de bonté, que tu puisses nous conduire en ce jour. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vais appeler la première personne qui va témoigner concernant la mariée, qui s'appelle Benjamin. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Benjamin, l'encourager? Bonjour à tous. Bon, j'ai évidemment dit que je ne voulais pas passer en premier, donc je passe en premier. Où est Esther? Je ne la vois même pas. En tout cas, voilà, je suis très honoré et très ému d'être là pour célébrer l'union d'Esther aujourd'hui et Bobby. Esther, tu n'es même pas là. Tu entends de loin? Faut que je parle très fort ou tu m'entends normalement? C'est bon, je ne vous casse pas les oreilles comme ça. Je vais sortir parce que j'ai noté 2-3 choses. Donc voilà, j'ai la chance de connaître Esther depuis 2005. 2005, j'étais tout jeune. Là, pour ceux qui me voient de près, j'ai des petits poils de barbe blancs. J'avais pas de barbe quand j'ai connu Esther. Ses enfants étaient encore en école primaire. Donc Mathilde, Alain, Fabien étaient encore très très jeunes. Donc voilà, Esther, ça fait depuis maintenant presque, ça va faire bientôt 20 ans que je la connais. 20 ans où j'ai toujours été surpris de la stabilité, de la force et du courage d'Esther. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, Esther reste calme, reste zen, reste tranquille. Et depuis toutes ces années, je dois te remercier parce que tu m'as souvent vu des fois un peu inquiet, des fois un peu en panique, mais Esther, toujours tranquille. Donc voilà, en tout cas, je sais qu'avec Bobby, vous allez être tranquilles tous les deux et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous allez traverser toutes les épreuves. Et je vous souhaite en tout cas tout le bonheur, tout l'amour que vous méritez tous les deux. Je tiens quand même à ajouter 2 petites choses, Esther. Tu es très très belle dans ta robe. Mais je dois quand même dire que tu t'es goinfré de chips au bureau, alors que tu n'avais pas le droit de manger. J'ai dit que je te le dirais quand même. Donc voilà, tu me donneras la marque de chips parce que moi ça ne marche pas, je grossis quand même. En tout cas, j'ai trouvé une citation qui marche bien pour Esther et Bobby. Aimer savoir est humain et savoir aimer est divin. Bravo à vous deux et longue vie à vous deux. Merci, merci. Nous allons recevoir la deuxième personne. Donc, c'est la femme du patriarche. Elle s'appelle Germaine. On l'appelle maman Germaine. Vous allez bien? Oui. Vous êtes tous beaux et belles. Waouh! Pour moi, c'est un privilège pour moi de témoigner pour vous. J'avoue que j'ai connu Bobby quand j'ai rencontré mon époux, le patriarche. Vous pouvez lever la main, chérie. Et je vous assure que Bobby, il m'a vraiment marqué. Et je pèse vraiment mes mots. Il m'a marqué vraiment par sa générosité, par son amour. C'est quelqu'un qui est rempli d'amour, de compassion. Quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui s'oublie pour les autres. Et vraiment, Bobby, il a impacté ma vie. La première fois que je l'ai vu, il y a plus de 15 ans, il a vraiment impacté ma vie. Et vraiment, je témoigne ce jour avec force pour dire que Bobby, c'est quelqu'un de bien. La Bible dit « L'humilité précède la gloire. » Et Bobby, c'est quelqu'un de humble, quelqu'un de simple. Franchement, je peux le comparer à la comète d'Halley dans la constellation. N'est-ce pas? La comète d'Halley. La comète d'Halley, elle n'apparaît pas comme ça. Il n'y a eu seulement que 3 visites. Une en 1835, une autre en 1910 et une autre en 1986. Et la prochaine, elle est encore, je ne sais pas dans combien d'années. Et Bobby, je le compare vraiment à la comète d'Halley. C'est une perle rare. C'est quelqu'un vraiment sur qui on peut compter. Quelqu'un de fidèle.
Et ce jour, vraiment, je bénis Dieu parce que, comme la Bible dit, comme ce que je viens de dire tout de suite, l'humilité précède la gloire. Et ce jour, vous voyez, nous sommes tous réunis parce que Bobby et Esther s'unissent pour le meilleur et pour la vie. Et ce jour, vraiment, je veux bénir Dieu, je veux que nous puissions acclamer le Seigneur parce que c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce parce que quand j'ai connu Bobby, il était déjà avec maman Esther. Ils étaient tous les deux toujours inséparables. Et ce jour, vraiment, je rends grâce à Dieu. Parce que je sais que c'est un nouveau départ, n'est-ce pas? Vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Merci. Et là maintenant, voici le moment où nous allons recevoir les mariés. Et donc nous allons tous nous dévouer et acclamer pour l'entrée des mariés. Thank you.
Merci à vous. Nous allons recevoir maintenant le pasteur qui va bénir le mariage. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur, nous venons te recommander ces instants entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, puisse se mouver maintenant. Car nous voulons parler, Seigneur, de gloire à notre Dieu, de ta part. La Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que le Seigneur est de toi, Seigneur. C'est ce qui corrige, c'est ce qui soulage, c'est ce qui fait en sorte, Seigneur de gloire, que nous puissions revenir sur les droits chemins, notre Dieu, dans cette terre. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très heureux pour les deux qui sont là, Bobby et Esther. Dans le livre de Genèse, que nous connaissons tous, à partir du 21e verset jusqu'au 24e verset, je vais faire la lecture au nom de Jésus. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Ils seront une seule chair. Beaucoup de gens oublient ces principes-là. Ce que nous voulons voir est que on ne peut pas parler du mariage s'il n'y a pas aussi l'amour là-dedans. La réussite du mariage, c'est l'amour. Le mariage, ce n'est pas une affaire de coutume. Ce n'est pas une affaire de famille. Mais c'est une affaire de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a raisonné. C'est Dieu qui a institué le mariage. Il y a de ces gens-là qui disent que non, nous on se marie comme ça. Nous pour se marier c'est comme ça. Le mariage ne peut pas avoir de frontières parce que Dieu quand il a créé le mariage, c'est par sa parole. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a créé une aide semblable. Bobby et notre sœur Esther, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Aujourd'hui, ils sont venus pour pouvoir honorer, pour pouvoir faire en sorte que devant la famille, devant l'Église, parce que l'honorabilité du mariage est exigible même devant l'Église, c'est ce que la Bible nous dit. Les mariages soient honorés de tous. Et il y a les gens qui ne veulent pas donner la pensée du mariage selon ce que Dieu a donné. Et tout celui qui s'élève de cette façon, de cette manière, ils sont là, ils s'aiment. Ils se sont présentés devant nous pour montrer que
il y a l'amour entre eux deux. Mais toi, tu vas venir, je ne sais pas de quel coin, tu commences à donner ton levain pour pouvoir mettre les zizanies entre les deux qui s'aiment. Ce n'est pas eux que tu vas combattre, mais c'est Dieu que tu vas combattre. Et je n'ai jamais vu quelqu'un combattre Dieu et vaincre Dieu. Tous ceux qui ont combattu Dieu, tous ceux qui ont essayé de combattre Dieu, ils en ont eu pour les comptes. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est avec la joie dans le cœur, c'est avec notre amour pour les accompagner, pour leur montrer que nous acceptons ce que les choix que vous avez faits. Ils pouvaient se débarrasser depuis, mais ils ont tenu jusqu'au bout. C'est pour dire que l'homme a trouvé que non, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. 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 Il est beau le mariage. Nous allons passer aux échanges de vœux. Vous avez entendu vous-même lorsque l'homme a vu la femme devant lui, il a dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Nous n'avons pas les mots à prêter les amoureux d'aujourd'hui, mais chacun va s'exprimer. Chacun va s'exprimer dans ses propres mots, dans ses propres vocabulaires, l'un et l'autre en mettant l'anneau sur les doigts de son compagnon et de sa compagne. Donc c'est eux qui vont se manifester. Dieu n'a pas donné les mots à Adam et à Ève, mais la poésie est sortie de l'homme. Amen. Amen. Ok, nous allons demander au marié. Tu vas là-bas? Vous m'entendez? Ouais. Alors, je disais ceci. La poésie, c'est tous les jours avec Esther. Quand je la regarde marcher, sourire. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Là, on est devant la famille et devant Dieu. Je déclare mon amour à jamais. Maman Esther, elle va nous épater là. Il faut retenir vos cœurs là. Il y a 18 ans maintenant, je t'ai rencontré. On est sorti un soir, je ne te connaissais pas, mais je n'étais pas inquiète. On n'attend rien. Il y a 18 ans maintenant qu'on se connaît, on est sorti la première fois, je suis montée dans ta voiture, je n'étais pas inquiète parce que j'avais toute confiance en toi, tu m'as inspiré la confiance et jusqu'aujourd'hui, je me laisse porter par toi et je t'accompagnerai jusqu'à la fin. Bravo! Amen! Nous allons passer maintenant à la prière. Ouais, vous pouvez vous agenouiller. Seigneur notre Éternel Dieu, notre Dieu, nous te bénissons ce soir, Dieu de gloire et de notre Dieu, que tu nous accordes. Nous te bénissons ce jour, Emmanuel, et nous abandonnons et nous notre groupe, Seigneur, pour tes enfants, et ceux qui nous arrêtent, parce que toi, tu es celui qui efface l'air passé, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur, aujourd'hui, c'est un grand jour où tu renouvelles, Seigneur, un nouveau total, Seigneur, dans leur vie, oh Dieu. Je voulais te bénir, ô Père de gloire. Je voulais te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant, sur qui je peux compter, Seigneur. Puissance, notre Dieu, nous les bénissons, Père. Père, ouvre toutes les portes de bonheur, les portes de joie, les portes d'élévation, les portes, Saint de gloire, notre Dieu de bénédiction. Que cela soit leur partage, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père, pour ton amour, le Prince de paix, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
Bravo. Thank you.
J'ai besoin de 2 minutes et je vous laisserai toute la soirée. Elle est là devant vous, c'est pour nous, c'est pour vous. Que personne ne déroge à la règle. C'est-à-dire, nous serons là ce soir avec les couples Bobby et Joël jusqu'au petit matin, au prescule. Moi, personnellement, je serai là jusqu'à demain soir. Messieurs, dames, distingués invités, chacun selon son rang et son titre, merci d'abord d'être présent parmi nous. Merci. Je sais que les cadres, le point d'accès, ça a été compliqué pour tout le monde, mais nous sommes dans un pays de la technologie, de la haute technologie. Avec les petits instruments, tout le monde est appelé. Moi, je viens de Lot-et-Garonne, c'est-à-dire à Agen, le pays du rugby. Je suis arrivé. Je tiens une fois à vous dire merci et vous souhaiter bon appétit. Et à remercier tous nos chefs qui se sont battus bec ongles pour nous concocter ces petits menus délicieux et très appétissants. Merci à tous les chefs. Voilà, nous sommes là pour un grand événement. Ça n'arrive pas tous les jours, c'est une fois dans la vie de tout un chacun. Comme dit la Bible, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais route avec lui. Alors nous sommes là dans un moment de réjouissance. Le pasteur nous a dit, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. Maman Esther et tonton Bobby. Voilà, je suis là pour ne pas seulement dire le bien d'eux. Mais s'il n'y a que de bien, on peut dire que du bien. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. En mangeant, en riant et la bonne digestion, on évite les gastrites, les remontées d'estomac pour ceux qui ont des... voilà, je ne suis pas médecin, mais voilà, une petite dose d'apaisement et tout le monde sera au parfum parce que nous sommes là jusqu'au matin. Laissez-moi quelques 2 minutes et puis voilà, tout ira bien. Oubliez vos soucis, nous sommes là pour nous réjouir. C'était un événement très... Personnellement, je suis de la famille de mariés. Bon, je commence par me présenter moi-même. Issu d'une famille très, très, très nombreuse, la mariée aussi. Les mariés n'en parlons pas. Nous avons des patriarches ici, des grands-parents, des papas. Si je me dis de citer le nom, qui a fait quoi, qui est qui, on ne va pas fêter, on ne va pas danser. Mais nous sommes une famille très nombreuse, donc je suis l'un des membres. Voilà. Et c'est un honneur pour moi parce que je suis né dans cette famille et après les mariés. Et voilà, si aujourd'hui je suis là, c'est parce que les aînés ont pris soin de moi. Voilà, ce sont des bonnes personnes. Applaudissez pour les personnes. Voilà. Je suis très content de vos réactions. Ça prouve que je suis bienvenu. Si j'étais pas venu, vous aurez à faire une mauvaise mine à bouler. Mais j'ai vu tout le monde a un peu posé son assiette, sa prière, sa face, sa fichette. C'est que ce que j'ai dit est très important. Merci.
accepté la gentillesse, c'est parce que vous êtes très précieux pour nous. Il n'y a pas de roi sans sujet. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez dit que nous sommes très importants. Et je vais aller tout droit au but. Tonton Bobby, maman Esther, voilà tout ce monde qui est là pour vous. Je vais dire deux, trois petits mots. Parce que je n'en ai pas, je n'en ai pas vu de mauvais. S'il y en avait, je le redis tout de suite. Moi, je suis un fervent partisan de la vérité. Bon, le deux ou le trois que je vais dire, c'est que mon vieux Bobby, je le connais parce que je suis né avec. Je suis sorti du ventre de ma maman et je l'ai vu. Il m'a dit, voilà ton grand frère. Et j'étais sûr que c'était mon grand frère parce qu'il m'a aidé à évoluer jusqu'à venir ce que je suis. Est-ce que j'ai menti? Alors, si mon vieux en qui j'ai placé ma confiance, il dit, petit Jean, voilà ta grande soeur. Est-ce que je vais dire non? Vous avez tout compris. Vous avez donc, sans abuser de votre confiance, de votre intelligence, je sais que vous êtes très intelligent. Voilà, encourageons-le. D'abord, de ma part, mes encouragements, c'est pour dire, grand frère, grand soeur, soyez bénis. Bonne vie, bonheur, santé, prospérité à vous. Dites amen, ma salle. Merci beaucoup. Je vous encourage d'être là avec nous et je vous demande cette chose. Aujourd'hui, ce soir, c'est la journée XXL pour Tonton Bobby, Maman Esther. Donc, pas de retenue. Venez, arrêtez, oubliez vos soucis. Je sais que les carburants, les prix ont augmenté. Je sais que tout a augmenté. Oubliez tous vos soucis. Venez faire la fête avec nous. Bonne fête à tout le monde. Sous vos acclamations, nous appelons Bobby pour Papa Fulion. Nous acclamons Bobby. Nous acclamons Papa Fulion. Nous continuons à acclamer. Nous continuons à acclamer. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Papa Fulion. Bonsoir à tous. Le plus important, mon rôle pour moi, avant que je entame mon esquisse du discours, c'est que nous nous applaudissions tous, parce que nous sommes là nombreux pour applaudir, pour accueillir, pour féliciter, pour féliciter, responsabilité, elle est très grande. Parce que je prends le micro, mais je ne suis pas l'aîné. Je suis le grand frère à Joël. Je suis un des grands frères à Joël. Mais nous avons un aîné qui s'appelle Servet Casselis. Applaudissez pour nous. Mais cependant, ce que je veux dire, c'est très difficile de prendre la parole après tous ces excellents orateurs qu'on a eu aujourd'hui. Moi j'ai vu qu'il y a eu ce matin, il y a eu la mère, il y a eu tous ceux qui ont pris la parole ce matin, il y a eu le pasteur, c'était quelque chose de très pertinent. Donc c'est difficile de prendre la parole. Il y a eu Servet qui a pris la parole. Et comme il ne veut pas faire de redites, il m'a demandé à moi de plus faire de parler. Mais aujourd'hui quand je parle, c'est que je me permets de parler parce que nous avons la mère à Joël, qui est notre mère à nous tous. Mais déjà, c'est elle qui m'a dit qu'on a pas mal d'applaudissements. C'est vrai. Bon, merci. J'ai compris à l'applaudissement. On a apprécié cette dame-là.
parce qu'elle a donné joie et bonheur. Alors, ce que je peux dire tout simplement, ne pas être dans le monde. Moi, c'est ma porte aujourd'hui. Et le discours que je véhicule, il s'adresse à Bobby. Parce que Bobby, tu nous as vraiment élus. Tu es un monsieur assez particulier, tu as beaucoup d'avant, beaucoup de mérite, mais tu n'as plus tué ta femme. À la limite, moi je détestais. Pourquoi je détestais? Parce que c'est très difficile qu'un beau-frère apprécie notre beau-frère. Nos soeurs, nous, c'est comme nos femmes. C'est-à-dire que celui qui peut les accaparer, il a beaucoup de pouvoir, mais on les déteste. Donc je te détestais jusqu'à un certain jour. Je te jure que j'ai beaucoup de respect pour toi. Parce que quand tu t'es exprimé, tu as beaucoup de larmes. Et c'est pour cette petite carrière à pleurer. Mais c'est vraiment des larmes de sincérité. Ah, parce que l'essentiel, c'est rechercher la vérité et dire l'essentiel. Et Bobby, je veux te dire au nom de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est évidemment, tu comprends, c'est la famille à jouer. Je veux te dire que nous t'apprécions ta juste valeur. Nous sommes prêts à recevoir tous les tiens, toi en particulier. Tu n'es jamais venu à Brazzaville. Tu es venu quand à Brazzaville? C'est avant la jeunesse. Avant ça, c'était avant Joël. Mais depuis qu'il y a Joël, tu n'es pas venu. Parce que tu es de Canada, mais à un moment, il est de Brazzaville ou de Wando. Il faut que tu viennes. Et je veux dire, en fait, moi, je tue ta porte-parole. C'est pour dire que Brazzaville nous accueillera les bras comme son père. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous sommes disposés à te rendre tout l'amour que tu as donné à Joël. Parce que Joël, pour nous, c'est quelqu'un de très particulier. Moi, j'ai fait. Il y a tout à l'heure, son baron qui a dit qu'il vient de. Je ne sais pas d'où. Ah, mais nous, on a fait 6 000 maïs. Nous, on a pris la vie, on vient de Brazza. Mon épouse et moi, parce qu'on a dit ça, c'est quelque chose qu'on doit honorer. Et particulièrement pour toi. Donc je veux tout simplement dire que je m'exprime aujourd'hui au nom de la famille Gazakis. Et Gourou, parce qu'il y a les mamans de Joël qui sont là, ses frères, ses soeurs, ses petits enfants. C'est vrai qu'on est très nombreux. En réalité, pour lui, on est plus nombreux que toi. Hein? On est plus nombreux que nous. Bobby, tu comprends que vous êtes à ma clé, on n'a pas parlé sur les années de combat. Alors, les copines, en fait, voilà qui disparaît, les gars qui viennent. Mais c'est quoi de bon, les camionnettes, parce que vous avez une vraie famille, mon corps. Famille, peut-être à Makassi. Ce que je veux dire, c'est que le Congo Brazza a mes chers parents. Venez, on va vous recevoir les bras ouverts avec le cœur vraiment sur la main. Parce que ce monsieur-là nous a honorés. Nous sommes disposés à faire plus qu'il le faut pour lui. Il a honoré une joie qui a un grand cœur aussi. Donc je veux vous remercier de nous avoir élevé de telle sorte. Mais pas ça vous attend. Félicitations, applaudissons pour tout le monde. Merci. Et là, désolé pour l'honorable, mais on garde le meilleur pour la fin. Je suis encore honoré, je vous le redis en face, en étant moins loin, parce que tout à l'heure on était à 50 mètres, donc ça m'a gêné. Je suis honoré d'être là, honoré de vous rencontrer tous, la famille d'Esther et Bobby, parce que moi je connais Esther depuis très longtemps, j'entends parler de vous tous, mais je ne vous ai jamais rencontré en vrai, donc je suis ravi de vous rencontrer. Bobby, je suis désolé, je partage ma vie avec Esther aussi. Et rassure-toi, je ne suis pas jaloux. Voilà, en tout cas, étant donné que je ne viens pas de Brazzaville, je viens de Cachan, dans le Val-de-Marne. C'est nettement moins loin. Je,
je parlerai moins longtemps. Je vais me congoler, papa. Je m'abdouille un peu moins. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup Esther. Bobby, je vous souhaite vraiment plein de bonheur pour la vie qui s'annonce à vous. Ça fait combien de temps, Esther, que vous aimez avec Bobby? 18 ans. Au bout de 18 ans, Esther est venue à bout de l'administration française. Et pour ça, il faut que tout le monde l'applaudisse. Voilà, ça fait un bon nombre d'années que je vois Esther tous les jours se battre pour arriver à bout des papiers. Et aujourd'hui, félicitations aux heureux mariés et plein de bonheur à vous. Parce que ce n'est que la finalité de ce que je connais, que j'ai vu depuis le début, depuis qu'on se connaît. Donc je suis très heureuse pour un jour, pour Bobby, et je vous souhaite plein de choses à venir, et avec moi, bien sûr. Vous ne pas m'oublier. Très heureuse de voir tout le monde présent pour fêter ce bonheur ensemble. En Angleterre, avant que je parle, il faut que les gens se taisent. Si les gens ne se taisent pas, je ne peux pas parler, je veux rentrer. Bob, c'est mon petit frère. Si vous avez appelé qu'il a quelqu'un en Angleterre, c'est bien moi. Et si vous allez apprendre qu'il est parti en Angleterre, c'est bien chez moi. Et si vous apprendrez qu'il a mangé à l'anglais, c'est bien chez moi. Donc, je vous laisse jouir la soirée. Voilà le témoignage. Bon. Moi, je ne veux pas vous dire de goûter. Mais j'ai que vous demander, je vais goûter. Je remercie déjà toute la famille de Bobby. Merci beaucoup. Je remercie aussi ma famille. Je me permets de parler au nom de la famille parce que mon petit frère Furio, il a tout dit. Et je pense que c'est l'essentiel. J'ai rien à rajouter. À part de donner un message à ces jeunes, Joël t'a ouvert la porte. Faites-vous plaisir. Vous prenez le format. Vous allez la montrer le chemin. Donc, faites en sorte que nous, hein, les jeunes, petits enfants et enfants, les manières se retrouvent encore une fois de plus. Tous réunis comme ça, comme a fait Bobby et Joël. Donc les jeunes, je m'adresse à vous. Il n'y a pas beaucoup de temps. Ça va très vite. Mais moi aussi un jour venir ici, vous acclamer comme on a fait pour Joël et Bobby. Voilà mon message. Et encore merci Bobby et Joël. Merci à vous. Nous allons passer à la prochaine étape. Nous allons passer au fromage.
gâche et après à la coupure du gâteau. Thank you.
prendre des photos. Avec nous. Et il n'y a que ça. Votre présence, elle vaut tout. De tout cœur. Oh, my God.
Amen, Ayo. Thank you.
la modèle là, à la photo c'est bien, ça va marrer. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Vous êtes tous bien habillés pour la fête. Je vous l'ai dit.
Yeah.
Avec sa longue soirée partout.
la sepeli ba toubaye ba lié ba meli pour moi ce qui compte hein, on avait 130 personnes invitées. Bon, apparemment il y a 100 qui nous ont honorés. Et c'était génial. Les gens, ils ont mangé, ils ont bu, dansé. Bon, comme il y a toujours des... l'être humain n'est jamais satisfait à 100%. On me soit à l'inga, parce que les musiques ne perso. Il y en a qui ont la canapé. Parce que c'est comme mille, hein, bon. À part là, sinon... Papa Alain, et c'est noté, c'est noté. Au Bélib. Là-bas, là-bas. Bobo. Oui. Y'a un... Oh, y'a un beau frère. Ouais. Est-ce qu'au Sepeli, au lieu qui toque au Bélib, non, non. Non, ça va. Et les qui n'en ont bien. Franchement, moi, j'ai aimé ça. Vie entrée, n'est-ce pas, Bandaki, église. Tu es dans la mairie, soi-disant, tu es dans la mairie, tu y es. Et puis, tu es comme Awa, la cérémonie est dans la pasteur, et après, il y avait l'entrée. Marvin! En tout cas, tout s'est bien passé. Marvin! Moi, ça me plaît. Yo! Marvin, Niaka! Prochainement, si c'est comme ça, moi, je peux faire comme ça. Je peux faire la même chose parce que vraiment, c'est bien quoi. Voilà, merci Bobo. Oh, Marvin, homme d'affaires. Voilà. Dis quelque chose par rapport à la soirée, bah, je te dis félicitations déjà. C'était un très beau mariage et on est tous contents et tous heureux pour vous. Et j'espère que ça va durer longtemps, jusqu'à la fin de votre vie. Ah, que vous regardez la... Et c'est tout. Hein. Merci. Oh, Yannick. Yo, Yannick. Bien, Joël, pour ce merveilleux mariage. Vraiment, on s'est bien amusé. On s'est régalé, la bouffe était bonne. Et ouais, là, on va clôturer la soirée avec un bon slow. Après, on va tous aller se coucher dans la bonne humeur. Marie, c'était très cool. J'étais très contente de vous accompagner dans cette étape. Maintenant, je vous passe Yannick. Non, moi, j'ai déjà parlé. J'ai appris à dire. Maman Joël, c'est la plus belle. Alain Fabien, là il a beaucoup de trucs à dire. Félicitations, il est marié. C'est le plus beau. C'est très bien, félicitations. Je remercie toute ma famille qui a été présente. Mes deux frères qui sont arrivés de Brazzaville spécialement pour cet événement. Ma soeur qui est arrivée de Berlin. Et je rends grâce à Dieu. La fête s'est bien passée, tout le monde a bien mangé, tout le monde s'est bien amusé. Et ben, je nous souhaite à tous de bonnes choses. Merci.